de nous être fidèles. Pierre Ménès et moi-même allons vous commenter ce match amical. On va retrouver pour ce match deux monstres du foot européen. Oui, le Barça et l'AC Milan, c'est une rivalité qui ne date pas d'hier puisque leur première confrontation européenne remonte à 1959. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette rencontre, Pierre, avant qu'elle ne commence? C'est un match amical sans véritable enjeu et que les entraîneurs pourront faire des essais tactiques. Ces matchs sont aussi faits pour ça. Hein. C'est Milan qui reste quand même, malgré les résultats en dents de scie, un exemple en termes de structure. Alors évidemment, même si le club n'est pas aussi performant qu'il y a quelques années, il fait partie du patrimoine du football mondial. Alors Pierre, vous le savez, on est aujourd'hui dans un stade que se partagent les deux grands clubs milanais, l'AC Milan et l'Inter. Oui, donc le stade a deux noms, San Siro ou le stade Giuseppe Meazza. Et puis j'ajouterai que l'arbitre du match est monsieur Yun Fong Lee. L'arbitre qui va siffler le coup d'envoi de la rencontre, ce sont les joueurs du Barça qui engagent. La chevauchée de Neymar. Ouais, Messi qui prend sa chance. Adversaire qui pousse l'AC Milan. L'AC Milan qui doit concéder le corner. Gérard Piqué. Bonaventura. Mascherano, le bon tacle et la récupération derrière. Busquets. Quel palmarès il a également, lui, tiens. Sergio Busquets. Qu'est-ce qu'il n'a pas gagné, en fait? C'est un peu comme tous les joueurs du Grand Barça. Il a participé aux 6 victoires historiques du club en 2009, au championnat, la coupe, toutes les compétitions internationales. Attention, ça peut faire but. Kouka. Ouais, quel but! Magnifique! Un but superbe, hein, tout en précision. Petit filet, imparable. Quelle intelligence face au gardien de but. Il a glissé le ballon au ras du poteau. Il y a ce but, toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. Là, c'est Milan qui s'installe aux commandes de ce match. Bonaventura. Le ballon qui change de possession. Andrés Iniesta, il se dispute ce ballon. Carlos Bacca. Le Barça à la récupération. Andrés Iniesta, Carlos Bacca, ouais, Iniesta à la récupération, Ivan Rakitic. Montolivo, Carlos Bacca. Jordi Alba. Neymar. La défense qui récupère. Carlos Bacca. Kouka. C'est mal défendu, ça. Niang.
Et là, c'est Milan qui obtient donc un corner. Lionel Messi. Ivan Rakitic. Jordi Alba. Là, il est à la récupération au milieu de terrain. Sergio Busquets. Lionel Messi. Là, encore pour Suarez. Oula, ça n'ira pas plus loin. Carlos Bacca. Sergio Roberto à la récupération, ça c'est propre. Lionel Messi. Messi. Jolie séquence de passe. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Le bon ballon. Suarez. Le Barça qui va repartir avec la touche. Messi. Ouais, ça c'est bien joué. Oh, il l'a mis dans le vent là. Andrés Iniesta. Et le Milan qui s'est bien organisé pour récupérer ce ballon. Maignan. Ouais, joli, le 1-2. Bonaventura. Ouais, tout le monde participe à cette séquence de passe. Ouais, la bonne parade du gardien qui conserve bien ce ballon dans les bras. Kuka. Montolivo. Oh, il a passé son adversaire direct. Sergio Busquets. Messi. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Le tir. Ça passe largement à côté. Andrés Iniesta. Ah, il lui redonne. Jordi Alba. Lionel Messi. Ouais, bonne interception. Oh, c'est dangereux. Allez, le but. Oh, le but, ils égalisent. Bien joué. C'est une égalisation qui remet tous les compteurs à zéro. Alors qu'on revoit ce but de Suarez, coup d'œil, vitesse, précision. Il a tout, on le sait. Hein. Le but sous un autre angle. Et voilà donc à égalité, un but partout. Il passe au millimètre. Ivan Rakitic. Neymar. Oh, ça continue. Rakitic. Oh non, il gâche un peu cette occasion. Voilà, la fin des 45 premières minutes. Le score qui est de 1 partout. Et fin de la première période. Deux équipes qui ont fait jeu égal en tout point quasiment. Oui, c'est ce que disent les statistiques. On voit la possession de balles, les occasions de but. C'est très révélateur. C'est Rakitic qui sort.
Les joueurs qui donnent à l'instant le coup d'envoi de la seconde période ici à San Siro. Sergio Roberto. André Gomes. Un ballon trop facile à reprendre finalement, perdu stupidement. Kuka. Oh, le ballon dangereux. Kuka. Avec un tir. Ouais, cette frappe qui est contrée, bien défendue. C'est un corner pour l'AC Milan. Mbanyang. Ouais, c'était trop sur le gardien. Le ballon qui change de possession. Attention à cette perte de balle au milieu. Sergio Busquets. Busquets, ballon capté par le gardien. Buenaventura. Antolivo. Ah oui, le bon ballon là. Ouais, la passe de la tête, bien. Ouais, il se trouve bien. Il cherche un partenaire dans la surface. Ouais, le danger qui est écarté et la défense qui va pouvoir souffler. Ouais, il dégage en touche sans se poser la moindre question. Ça s'agite hein, sur le banc de touche, plusieurs changements à venir. Keisuke Honda. Et il a du soutien autour de lui, c'est bien. Il est dépossédé du ballon par Sergio Busquets, à la régulière. Une touche, pas trop mal placée hein, pour l'AC Milan. Keisuke Honda. Ah, ça sort tout près du poteau de corner. Sergio Busquets. André Gomes. Un coup franc pour le FC Barcelone. Il va y aller, Luis Suarez. Oh oui, le but! Ils prennent l'avantage! C'est son deuxième but personnel aujourd'hui. On revoit la qualité du centre. C'est ça qui a fait la différence sur cette action. Notre réalisateur qui nous montre le but avec une autre caméra. Et 2-1 donc maintenant. André Gomes. Bonne interception, hein, ça pouvait être dangereux. Ce match est assez équilibré au niveau de la possession. Hein. Ouais, les stats sont assez clairs à ce niveau. Keisuke Honda. Luis Suarez. Oh, le but peut-être. Lionel Messi. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Il
Carlos Bacca. Bonaventura. Oui, c'est le face-à-face avec le gardien. Oh, l'égalisation! Elle est au fond! Et regardez avec quelle détermination ils sont venus arracher cette égalisation. C'est d'autant plus fort qu'on est en toute fin de match. Ouais, on avait peur qu'il soit un peu émoussé sur le plan physique, puis il n'en est rien. On revoit la qualité du contre sur ce but. Il résiste bien et il conclut au terme d'un superbe effort individuel. Et avec ce but, tout est à refaire. Les Blaugrana qui ont le ballon. Montenegro. Suso. Il est à la récupération au milieu de terrain. Atatouran. Le Suarez. Sergio Busquets. Ouais, bonne passe. Sergi Roberto. Carlos Bacca. L'entraîneur qui a demandé un remplacement. Le joueur est à côté de l'arbitre assistant. Il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Allez, le Barça qui va peut-être faire trembler son adversaire sur cette attaque. Et ça part très loin avec ce dégagement. Le ballon en touche, le Barça qui va récupérer la balle. Messi qui cède donc sa place. André Gomes. Oh, il est insaisissable. Ah, pas de prise de risque, ballon dégagé. Fin de match un petit peu haché. Montolivo, offensive des Rossoneri. Piqué. André Gomes. Ah, il donne carrément le ballon à l'adversaire. Fin du temps réglementaire. Est-ce qu'on va avoir droit à une prolongation ?